Bonjour à tous et bienvenue sur Benoît494 pour ce nouvel épisode de Mass Effect Andromeda. Et tout de suite, on va rejoindre le pionnier aussi Rider, vite que possible. Mais non, on... Rider, on devrait rebrousser chemin avant que l'orage empire. Non mais rebrousser chemin, d'accord, mais je croyais qu'il fallait qu'on aille par là, moi. Vous foutez de moi ou quoi? On peut pas passer par là. Si on continue, on va se faire tuer. Bon bah maniez-vous le cul alors, suivez. Par où il faut passer? Parce que moi je veux bien mais... Ryder, votre père était en difficulté, il faut qu'on le retrouve. Ah ok, c'est par là. On retrouve le pionnier, le plus vite possible. Oui bah amenez-vous, on y va. Sam a raison, on n'a pas beaucoup de temps. Ok. Regardez, les paratonnerres, ils attirent la foudre. Si on reste près du mur, ils devraient nous protéger. Il y a des morts, ce n'est pas la foudre qui a fait ça. Des munitions incendiaires, mon père s'amuse bien. C'est ouais, un ancien N7, il rigole pas cela. Ok, comment on ouvre la porte? Ok, ça c'est scanné, 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 scanné. On peut pas passer par là, d'accord, donc on va longer le mur. C'était une bonne idée de planter ces paratonnerres. C'est le seul moyen de survivre ici. Ça est tiré à vue. Par là. Mon père est là-haut. C'est bizarre, on y est déjà passé. C'est aussi... Voilà, on y est. Chef. Restez baissé. Alors c'est eux qui déclencheraient ces éclairs à la con ? Là j'avoue qu'un petit sniper ça serait utile. Qui c'est cela? Des visiteurs comme nous. Je ne crois pas qu'ils soient natifs de cette planète. En effet, on a trouvé un labo désert, comme s'ils étudiaient ce monde. Bien joué, c'est du beau travail d'éclaireur. Ouais je sais, je suis là pour. Merci, mais je ne fais que mon travail d'explorateur. Eh bien, ce sont des débuts prometteurs. Ouais. Un vrai baptême du feu. Chef, vous disiez avoir une idée concernant l'orage? Le nuage d'énergie noire que l'Hyperion a touché. Il affecte toute la planète. Il interfère avec... La tour est prise dans une boucle de réponse avec le nuage. Ensemble, ils perturbent le climat au moyen d'une énergie extrêmement instable. Ils sont en train de terraformer. On a vu dans cette grotte, à l'abri de l'orage et de cette tour. C'est une bonne piste. Et je crois que si on arrivait à y entrer et à l'éteindre, la foudre s'arrêterait. Et la navette pourrait nous sortir d'ici. En théorie, il faut juste qu'on les contourne. Au boulot alors. C'est un pari risqué. Mais on sera pas fixé tant qu'on n'aura pas essayé. C'est clair. Soyons très réalistes. La route ne sera pas des plus agréables. Non, je suis déjà mort trois fois comme attendez, un caca dans l'épisode précédent. Mais le problème, c'est qu'on risque d'aggraver nos relations avec ces créatures. C'est eux ou nous? Oh, ça sera eux. Mais ils sont bien plus nombreux. J'y travaille. Il faut juste qu'on change un peu la donne. Qu'est-ce que tu veux nous faire, papounet? D'accord, il a piégé toute la zone. Oh. Bah oui, les éclairs. Moi, ça me va. En avant! Je vous suis. Avancez jusqu'à la structure. Sam, charge le profil de combat. Ok.
Ah, oh, qui c'est qui m'a tiré dessus? C'est toi? Allez, montre ton museau, grand malin. Montre-toi. Ok, des munes. La claque. Attends-moi, papou. Voilà. Fais-moi le malin, hein, du genou. Voilà, parce que moi... du genre à préférer le corps à corps. Mode interface en pliotique. Au, au, au. On garde un œil sur notre flanc. Pas si on continue d'avancer. Ne les laissez pas nous rattraper. Waouh, quel style. C'est quoi ça? Tenez le rythme. Ok, de la santé et des munes. Comment il fait ça, votre père? C'est une vraie machine. Allez, c'est le talent, mon gars, c'est le talent. Aouh, aouh, je suis coincé derrière la caisse de mine. Ok, des munitions cryo. Ouh, les munitions cryo, j'ai toujours aimé ça. J'aime bien les geler sur place et tout, c'est trop fun. Bon, oh, avancez les gens là. On va pas rester là pendant 2 semaines, hein. Et puis il y a mon papou qui avance tout seul. Sam, passe au profil technicien. Au profil technicien. Qu'est-ce que t'entends par là? Où est-ce que vous sortez tous ces profils? Sam me donne un petit coup de main. Comment ça? Concentrez-vous plutôt sur le combat. On y est. C'est on par là. Le centre de contrôle. Éloignez-les de moi. Vous l'avez entendu? On y est arrivé. On a seul morceau. C'est pas encore fini. Ok. On va passer... cette porte là-bas. Allez. Ah bah lui il est gelé. Il faut que j'arrive à déchiffrer cette langue. Vas-y papou, déchiffre, moi je recharge. Ça c'est un bon papou ça. Ouh, des conteneurs. Hop. Cool. Où ça? Ils vont nous encercler, on n'a rien de temps. Il faut qu'on défende les deux côtés où ils nous prendront à revers. Où est-ce qu'on doit se poster? Alors, voilà, appuyez sur X. Mince. Appuyez sur X pour donner des ordres à vos coéquipiers. Déplacez vers un point. Appuyez W ou C pour donner des ordres individuels. Donc, il faut que j'en déplace un. Compris. X, W, j'y vais. Ok, X, C, non, X, C. D'accord. Attention, je crois qu'il y a du mouvement. On les a tenus en respect à la navette, on peut y arriver cette fois aussi. Ils arrivent ici, c'est ça? Ah oui.
Analyse des entrées possibles. Décryptage à 25%. Dépêche-toi, on n'a plus le temps. Ok. À 50%. La syntaxe est étrangement complexe. Je vois ça. Essaie une recherche récursive. J'ai besoin d'un instant pour évaluer la séquence. Juste un instant. Vas-y. Je crois que je l'ai vraiment énervé, celui-là. Peut-être parce que je vais tirer en pleine tronche. Seth, ça avance ? Décryptage à 75%. On y est presque ! Il faut tenir encore un peu! Il se replie! Il se regroupe peut-être pour un nouvel assaut. Restez en alerte. Ah, et puis il y a l'autre là-haut qui me canarde, mais violent quoi. Décryptage terminé. Ça a marché! C'est un accès au système de sécurité. Je vais essayer d'ouvrir la porte d'ici. Et merde! Elle est bloquée! Je dois y jeter un œil. Ok, tout le monde va bien. Scott, j'ai besoin d'aide ici. C'est bon, allez-y, on surveille vos arrières. Il faut qu'on ouvre cette porte. Je m'en occupe. Ok, je m'en occupe. T'inquiète, papou. Allez, un peu de nez. Tu penses vraiment qu'on peut désactiver ça? On va voir. Sam a décodé une partie du langage. Voyons si je peux avoir une conversation. Ok, sois prudent. Jusqu'ici, rien ne nous a écoutés sur cette planète. Fais attention. On se fait du souci pour son vieux père. Bah, je n'en parlerai à personne. J'ai perdu ma maman. J'ai ma sœur qui est dans le coma. Ça va. Je voudrais pas que ma famille se fasse décimer. C'est l'intérêt de ce travail. Sam, commence à traduire. Un instant. Alors c'est un peu pourri le système d'ordre. Hein. Par contre. Traduction terminée. Voyons ce que ça donne. Waouh, quel talent il a, mon papou, quand même. Alors, ça. C'est pas vrai. Ça a marché. Ça y est, il fait beau. Au moins, il y a un espoir. C'est plus qu'un espoir. C'est la preuve qu'on n'est pas fou. On peut débarquer dans une galaxie inconnue et réussir à comprendre ce qu'il s'y passe. Sam nous a un peu aidé. J'avoue. Heureusement que Sam est avec nous. Mais je suis heureux d'avoir... Oh, je l'ai pris en pleine poire, celle-là. Oh là là, mon masque, il est tout pété. Est-ce que j'ai encore de l'omnigel ? T'as besoin d'une extraction d'urgence sur le champ. Nouvelle navette en route. Arrivée prévue dans 3 ou 4 minutes. Ah bah, je serais mort d'ici là. C'est trop long. Oh, bah et toi? Respire profondément. Qu'est-ce que tu... Transfert amorcé. Oh. Récupère ton casque.
Non. Oh. Oh là, c'est drama là. On a perdu le pionnier. Vite, il est en train de faire un arrêt cardiaque. Oh. L'élément zéro. Vite à l'arche de préparer l'infirmerie. Le coup est trop bas. Il convulse. Son cerveau ne supporte pas la connexion. Amenez-le au bloc SAM. Sam, qu'est-ce que tu vois ? L'implant de Ryder est en surcharge, je suggère une connexion directe. Vas-y. Maintenant ! Qu'est-ce qui s'est passé du coup ? Ravi de vous retrouver. Ouais, ouais, par contre le grain de peau il est dégueulasse. Qu'est-ce qui s'est passé ? Vous êtes cliniquement mort pendant 22 secondes. Oh. Comment j'ai survécu ? Ah. Et comment je m'en suis sorti ? Salut, vous êtes encore en vie. Venez tous au bloc Sam. Ryder est réveillé. Vous parliez avec qui ? Sam ? Je l'ai pas entendu. Ah bah moi je l'ai entendu moi. Regardez là. Et là. Mon père. Où ? Où il est ? C'était lui ou vous ? Il a fait son choix. Non. Je suis désolée. Je l'avais dit, gros drama. Je sais que ça doit être un choc. Je ne le connaissais pas. Bah si, tu le connaissais, c'est ton père. Il est mort en héros pour sauver ta vie. Pour nous. Il a mis l'équipe hors de danger. On lui doit tous la vie. Il m'a dit un jour que quand son heure viendrait, il voudrait s'éteindre parmi des étoiles encore inconnues. Ah. Pourquoi est-ce qu'on est dans le bloc Sam ? Bah c'est triste là. Sam fait partie de vous maintenant. Mais on ne sait pas encore tout ce que ça implique. Votre cerveau en a souffert. Sam ? Votre père m'a autorisé à effectuer le transfert de son accès pionnier. Ce qui veut dire ? En théorie. En réalité, vous êtes le nouveau pionnier, Scott. C'est une plaisanterie ? C'est une plaisanterie. Où est le problème ? Je pense que vous en êtes capable. Ah. Ok, donc ça c'est le... Ok. Bah seulement si Cora est d'accord. Mais sinon, ouais, moi je veux bien être le boss, moi. Pose pas de problème. Je ne m'opposerai pas à la décision de votre père. De toute façon, vos avis n'ont guère d'importance. Sam est profondément lié à votre esprit. Défaire ce lien risquerait de vous tuer. Je sais que c'est dur, mais... on doit penser à ce qu'on va faire maintenant. Il y a beaucoup de gens qui comptent sur nous. Notre arche dérive toujours. Justement, la tour que votre père a activée nous a sauvé la mise. C'est un genre de filtre d'atmosphère. Le nuage d'énergie s'est dissipé. On est en route vers le point de ralliement. On sera bientôt au Nexus. Il a besoin de se reposer. Cool. Il a 2 heures. On aura besoin de notre pionnier. Waouh. Ok, donc maintenant je suis connecté directement avec Sam. J'ai vu votre sœur. Il n'y a pas vraiment de changement, mais elle a autant de chances de s'en sortir que vous. Vous tenez tous les deux de votre père. Votre père nous manquera. Sam, qu'est-ce qui se passe ? C'est notre canal privé. Je le partageais avec lui. D'accord. Je comprends pas. Pourquoi moi ? Je l'ignore, mais il n'agissait jamais sans raison. Ouais, c'est clair. Alec n'aurait pas voulu que nous nous éloignions du but. Pour lui,
La peine était un moteur destiné à nous rendre plus forts. Eh ben... Ok, donc le gros drama, là. On vient de perdre notre pionnier. Du coup, je viens de devenir pionnier. Et ça, c'est les pas beaux d'Aliens, hein. Ça ressemble à leur vaisseau, ça. Les aliens. Ok, lui, ça doit être un gros ponte, lui. Ça doit être un boss de boss. Ils sont pas beaux quand même, hein. Waouh, ils ont le temps de nous scanner et tout. À la base, on était venu en paix. Quand même. Mais bon, ils nous ont attaqué dès qu'ils nous ont vus. Peut-être qu'ils ont compris qu'on n'était pas des ennemis. Ou pas. Dans tous les cas, il a l'air vénère. Ou c'est juste son état naturel. Allez savoir. Et nous voilà au Nexus. Ryder, ravi de vous revoir sur pied. On est sur le Nexus. C'est l'éclaireur de l'initiative Andromède. Les Arches Asari, Galarienne et Turienne devraient être là aussi. J'espère qu'elles ont eu plus de chance. Le voilà. Donc d'après ce que j'ai compris, le Nexus, en fait, il est basé sur la Citadelle. Contrôle du Nexus, ici l'Archipérion. Permission d'amarrer. Capitaine, je ne reçois que leur canal d'approche automatique. Personne ne répond. Eh bien, tu merde, le ça c'est pas normal. On est là. Allons-y. Ça c'est pas normal qu'ils répondent pas. Les travaux devraient déjà être terminés. Ça pourrait être pire. Vraiment. L'Habitat 7 est un échec. On s'est battu avec les premiers aliens rencontrés et notre pionnier est mort. On peut difficilement faire pire. Je suis d'accord avec moi. Tout est en ordre. Procédure d'amarrage lancée. Ok. Je nous ai amenés ici. Bonne chance, pionnier. Mais ça, ce sera dans le prochain épisode. Voilà. Capitaine vient de m'appeler pionnier. J'ai encore du mal à le croire. Bah ouais. Respirer un bon coup. J'arrive toujours pas à croire que mon père est mort. C'est lui qui aurait dû être là. Mais en l'occurrence, vous êtes là à sa place. Vous devez simplement décider de ce que vous allez faire. Par où je commence? Je sais pas si je suis prêt. On n'était pas prêt à faire de la chute libre sur l'Habitat 7 non plus. Et on a survécu. C'est vrai. Note pour plus tard. Toujours garder un micropropulseur sous la main. C'est clair. Et sur ce, je vous fais des gros bisous et je vous retrouve demain pour la suite de nos aventures sur Mass Effect Andromeda. Voilà, gros bisous à tous, à demain.